Parfois, la fin justifie les moyens. Sur l'île de Saint-Barthélemy dans les Caraïbes, les os fossilisés d'un rongeur de plus de 200 kg ont été retrouvés. Des scientifiques ont découvert que les ancêtres de ces rongeurs vivaient il y a plus de 35 millions d'années en Amérique du Sud. Or, la côte américaine se situe à 800 km au sud de Saint-Barthélemy. Mais alors, comment ces rongeurs sont-ils parvenus à rejoindre cette île ?